Les 4 jours de formation prévus sont un temps propice que l'Église vous confie. Profitez-en pour apprendre ce que vous allez transmettre aux observateurs de court terme, afin qu'ensemble vous puissiez donner les résultats escomptés pour la gloire de Dieu et le bien-être de notre peuple. Chers OLT, voilà la lourde tâche qui vous attend demain sur le terrain. Ainsi, je vous souhaite la bienvenue à cet atelier et un futur moment de formation. Je vous remercie. Donc, dès vendredi, vous allez vous mettre au travail pour nous collecter les données liées à la campagne électorale, mais aussi d'autres aspects de l'environnement électoral que nous sommes en train de vivre actuellement. Les chefs de la mission d'observation électorale à laquelle vous appartenez, ce sont les pères évêques, les pasteurs et autres personnalités dirigeantes de nos deux églises. C'est d'abord les pères évêques et les pasteurs. Vous et moi, nous sommes que des ouvriers. Où vous vous retrouverez en situation d'observer des faits électoraux, dites-vous que vous remplacez votre évêque ou votre pasteur et vous observez à sa place. Cette mission d'observation électorale se déroule dans un environnement particulier où nous sommes victimes d'une campagne de diabolisation, une raison de plus de vous encourager à travailler de manière professionnelle. Soyez attentifs à la formation que vous allez recevoir dès maintenant, que vous recevez déjà d'ailleurs. Nous venons de lancer l'atelier de formation des observateurs à long terme. Mais pourquoi je suis venu lancer cet atelier? C'est parce que nous, comme Église catholique, nous croyons que les élections auront lieu à la date fixée. Quitte à chacun de prendre sa responsabilité à chaque niveau pour que les élections puissent se tenir le jour fixé. Si je suis venu, c'est parce que l'observation électorale qui implique aujourd'hui l'Église catholique et l'Église protestante nous donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. C'est-à-dire l'observation peut crédibiliser le processus électoral. Si les élections se passent bien, nous aurons la certitude que ceux qui ont été élus seront proclamés. Si les élections se passent bien, nous aurons aussi la certitude que ceux qui auront perdu reconnaîtront en âme et conscience qu'ils ont effectivement perdu. Et au lieu de créer des difficultés, qu'ils se préparent pour les prochaines élections. C'est ça le jeu démocratique. Mais nous pensons que dans le contexte actuel, nous n'avons pas encore toutes les certitudes que toutes les conditions sont réunies, les conditions matérielles, les conditions de déploiement de matériel d'observation seront là pour que les élections puissent vraiment avoir lieu le 20 décembre. Voilà pourquoi, tout en lançant cet atelier des observateurs à long terme, nous demandons aussi aux uns et aux autres de jouer leur rôle pour que toutes les conditions soient réunies, les conditions matérielles, mais aussi les conditions de crédibilité, d'objectivité soient réunies pour que les élections se passent dans de meilleures conditions et que le meilleur gagne. La dernière question, oui, j'ai suivi avec tristesse la réaction du ministre de l'Intérieur, que je respecte. Voir un haut responsable du pays réagir de cette manière-là
à une déclaration d'un pasteur qui attire l'attention de ses fidèles sur la vigilance et sur l'attention qui s'impose en pareille situation. Je me dis, c'est très grave, sa déclaration. De la part d'un haut responsable, c'est très grave. Je crois que nous, en tant que responsables, nous avons le devoir de retenue. Et ce que je constate de la part des gens de la rue qui passent leur temps à insulter, qui passent leur temps à ridiculiser les autres, ça devient très grave si on trouve ça dans la bouche d'un haut responsable du pays qui, par surcroît, est le ministre de l'Intérieur et le garant de la crédibilité du processus électoral. Je trouve que c'est triste pour le pays qu'un haut responsable à ce niveau-là tienne un langage pareil. Moi, ça m'a plutôt attristé. Je n'attendais pas ça d'un homme de son niveau et surtout de cette responsabilité qu'il assume. Les observateurs électoraux que nous envoyons aujourd'hui, c'est-à-dire l'Église catholique et l'Église protestante, dans le cadre de notre mission commune appelée MOE, SSC Senco, nous pensons qu'ils ont une lourde responsabilité. Responsabilité vis-à-vis de la nation congolaise, parce que de la crédibilité de l'observation dépendra aussi la réceptivité du résultat électoral. Si tout se passe bien, le gagnant aura le droit de se réjouir parce qu'il a gagné. Le perdant sera triste parce qu'il n'a pas gagné, mais au moins au fond de sa conscience, quelque chose lui dira « Oui, tu n'as pas été élu, accepte d'avoir perdu et prépare-toi à la prochaine élection. » Ça, c'est vis-à-vis de la nation congolaise. Si les choses se passent comme ça, il n'y a pas de risque de tension sociale. Mais en même temps, ces observateurs représentent les deux églises qui les ont envoyés. Ils ont une lourde responsabilité, comme vous le constatez, avec la réaction du ministre de l'Intérieur hier. Si l'observation se passe mal, mais vous entendrez tout de suite des gens réagir en disant « c'est le cardinal, c'est le révérend pasteur Bukundoa qui sont contre nous ». Alors que la vérité s'impose d'elle-même. Voilà pourquoi nous disons que les observateurs qui vont en observation tiennent compte de cette lourde responsabilité qu'il n'y a pas que leur crédibilité qui se joue dans l'observation électorale, mais aussi la crédibilité de ces deux grandes églises qui les ont envoyées, qu'ils se montrent à la hauteur de la confiance que nous plaçons en eux et qu'ils fassent leur travail en âme et conscience devant Dieu pour que demain on ne puisse pas leur faire des reproches d'avoir joué en faveur de tel ou tel candidat. Voilà pourquoi je leur ai remis ce que nous appelons le code de conduite de l'observateur électoral à long terme.